Aujourd'hui, le thème est simple, épaules, biceps. On va faire les choses bien, on va mettre de l'intensité, on va mettre de la rage, on va mettre de la force. Franchement, si je peux me mettre lourd, si je peux vraiment me faire mal, je vais me faire mal. Je vais pas faire beaucoup d'exos, peut-être 5 exos en tout dans ma séance, parce que faut que je m'entraîne, mais il faut aussi que je fasse du contenu en vertical pour les réseaux sociaux. Donc là, on va envoyer, on va vraiment envoyer. J'ai un petit pré-workout que je vais peut-être prendre. Et puis voilà, hein. C'est parti. Bon, sinon, toi, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Moi, là, ça va, je suis content. Hein. Franchement, j'ai passé une semaine de travail tellement compliquée, tellement dure, tellement intense que là, je revis. Je suis en week-end, je peux m'entraîner, je peux être bien. Et ça me fait du bien, franchement. Tu connais, hein. Échauffement, élévation latérale. C'est important. En plus, on bosse ses épaules. Donc, c'est important de bien réchauffer, pas se blesser. Là, en parallèle de cette série de vidéos, des bulk day, je vais faire une petite formation en vidéo pour apprendre à soulever le sol. Ok? Donc, je prépare des vidéos, je suis en pleine écriture et normalement, ça peut te plaire. Si toi, ben, tu veux te filmer en train de faire du sport ou en train de faire une activité, je sais pas, tu veux acheter une caméra pour faire la vidéo et le faire seul, et ben cette formation sera faite pour toi. C'est une formation que je crée et qui sera totalement gratuite sur cette chaîne YouTube. Il n'y aura pas de lien, il n'y aura rien du tout. De toute façon, tu verras. Mais j'espère que ça te plaira. Dans tous les cas, ça sera accessible à tous, à n'importe qui. Allez. Là, je suis bien là. Je suis bien, je suis chaud. Je prends mon pré-workout, je crois. Et on y va, hein, tranquillement. Aujourd'hui, on va reprendre le Alpha Pré-Workout. Mais cette fois-ci, goût pomme acide. Ça va, c'est pas mal. J'ai jamais testé ce goût-là. Mais bon, ça reste du Alpha Pré-Workout. Hein. Ça reste Alpha Pré-Workout. Même si le goût change, tu sais que les effets seront les mêmes. Donc, on va tester ça. Désolé, si la lumière elle change beaucoup dans la vidéo, mais je suis en pleine journée, je suis devant une baie vitrée, donc la lumière elle change, il y a des nuages et tout. Donc désolé d'avance pour la qualité. Ah, par contre, mon pot il est nouveau, donc je dois l'ouvrir, trouver la scoop. Ça va être une mission, ça. Ah non, il est là. Oh, j'ai de la chance. Franchement, les gars, j'ai beaucoup de chance d'ouvrir un pot qui a roulé dans mon sac. A vraiment roulé parce que je suis venu avec mon sac en bus, hein. Donc voilà, c'est pas en mode je suis dans ma voiture, je pose, non, c'est-à-dire que mon sac il a fait des tonneaux et il y a la scoop juste là, c'est incroyable. Par contre, j'ai oublié mon petit shaker, j'aime pas prendre pré-workout comme ça, mais je vais le prendre comme ça, c'est pas grave. C'est une salle où les gens n'ont pas l'habitude de voir des gens qui font ça. Même si que pour beaucoup de personnes, je suis chargé. Alors, si je fais ça, les gens vont dire non, lui, c'est bon. Il mange de la poudre, c'est fini. Elle a un bon goût, hein. Elle a vraiment un bon goût. Elle a vraiment le goût de la pomme verte. Vraiment. C'est vrai qu'il est vert, je pense. Mais il a vraiment le goût de la pomme verte pour de vrai. Pomme acidulée. Franchement, c'est incroyable. On va envoyer le premier exercice. Il va s'interrompre unilatéral. Il va se faire 10, 10. Et 10 tranquillement, faire ça bien. Normalement, 10, 10, 10, ça va passer. J'ai pris les 12 kilos pour le latéral et 6 kilos pour les deux. Et je verrai si je monte par la suite. Mais le but, c'est de rentrer dans cette séance avec une intensité maximale parce que c'est important. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, ok, l'autre côté. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ok, 10, très bien. Les deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. Ok, parfait. On va faire 3 séries, je pense, par exercice. Celui-là, c'était le premier. Non, celui-là, c'était l'échauffement, pardon. Et je vais mettre une vraie charge directement. Je pense que je vais prendre les 10 kilos pour les deux, ça va me faire mal. Et je vais prendre peut-être 14 kilos, je vais voir. 14 kilos pour l'unilatéral. J'ai vraiment envie de me faire mal aujourd'hui. Finalement, j'ai pris un 16 kilos pour l'unilatéral et les 10 kilos. Je pense que 16 kilos, ça passe. Je pense que ça passe. Normalement, on va faire 10-10-10. Mais si 16, je vois que ça m'arrache, je fais 8-8-10. On va bien envoyer. Première série. 16 kilos. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10. Je vais à 10, parce que je pouvais le faire. Et c'était simple. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, allez, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait. 10 kilos maintenant. Là, ça a piqué. On va faire 10. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Franchement, ça va. Ça va, ça va. C'était relativement simple, on va pas se mentir. Je pensais que ça allait me faire plus mal que ça. Du coup, on va monter. La première s'est bien passée. Je pense qu'on va passer à 12 répétitions pour les deux. 12 ou 14 kilos. Mais les 16, on va prendre les 20 kilos. Ça va être dur, mais on va prendre les 20 kilos. Comme ça, on augmente en intensité petit à petit. Et on va se détruire aujourd'hui. Hein. C'est important. Là, j'ai pris 20 kilos. Pour faire l'unilatéral et j'ai pris 14 kilos pour faire les deux. Normalement là on va rentrer dans un truc sérieux là, un truc que j'aime. Mais n'hésite pas à poser des questions si tu veux des séances bien spécifiques, tu vois. Par exemple, tu as du mal à prendre un endroit, tu dis, ouais, dame, fais une séance spéciale. Ce muscle-là, ce groupe-là, fais une séance trapèze, fais des trucs. Je ferai. Mon but, je t'ai dit, hein, c'est de faire 100 vidéos. J'ai dit 50 ou 100, je sais pas, mais 100 vidéos. Si j'arrive à faire 100 vidéos, cette série-là, Bulk Day 100, incroyable. Je vais le faire. C'est important. Allez. 20 kilos. 20. Fais ça bien, c'est rien, c'est que 20 kilos. Allez. Comme tout à l'heure, soit 8, 8, 10, soit 10, 10, 10, soit 8, 8, 8. Fais ça bien. 1, 2, 3, 4, comment? 5, ouais, 6, allez, 7, 8. 9, 10, ok. C'est rien. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, allez, 7, 8, 9, 10. Et 14 kilos.
très très lourd. Pour les épaules, c'est très très lourd. Surtout pour ce mouvement. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Oh. Wow. Ouais, là on est bon. Là on est bon là. Là je sens le pré-workout monter. Je le sens monter vite. Tu vois, c'est pas comme le shot. Le petit shot de pré-workout, quand je le prends, il est bien, il te réveille, mais pas d'un coup. Celui-là, le Alpha Pré-Workout, il monte d'un coup. Tu vois, c'est-à-dire que là, je sens vraiment agir en moi et je sens que je ferai une très bonne séance. D'ailleurs, ça sent mon ton de voix quand je vais faire une bonne séance, quand je vais faire une séance de merde. Là, je vais envoyer là. Dommage que je fais une petite séance parce que j'ai encore du contenu à faire, mais je vais envoyer parce que c'est important. Et là, j'ai envie de monter encore, tu vois. J'ai envie de monter encore, je vais me faire mal pour de vrai. Mais je vais pas faire n'importe quoi. Je pense que je vais prendre un autre poids de 20 et je vais faire 20 unilatérales et 20 avec les deux. Ça va me faire mal, ça va me détruire. Mais j'ai envie parce que j'en ai besoin, tu vois. J'en ai besoin et je sens que mon corps, elle est capable. Donc... aujourd'hui, on va envoyer hein, le thème, c'est on envoie aujourd'hui 20 kilos. J'ai pris 20 kilos pour tout. Non, moi, je fais jamais ça. Hein. J'aime bien prendre une charge beaucoup plus grosse pour faire de l'unilatéral. Mais là, j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie et j'ai peur de me blesser. Parce que ce mouvement-là, je connais pas les 20. En latéral, mais je connais les 20 avec les deux bras. Je le faisais vraiment quand j'étais au top de ma forme et quand j'étais un peu plus lourd aussi en poids. Mais c'est quelque chose que je connais. Mais là, passer à 24, passer à 25, comme ça, en latéral, honnêtement, j'ai peur, j'ai pas envie. Peut-être plus tard. Donc là, on va se contenter de 20. Sachant que 20, je rappelle, c'est très, 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 très lourd en élévation latérale. C'est super lourd. Élévation latérale, simple, hein. À partir de 10 kilos, ça commence à être très lourd pour moi. Donc là, on a les 20, on a le double, tu vois. On y va. 10, 10, 10, ça va pas de 8, 8, 10, 10, 10. Fais ça bien. Même la dernière, s'il faut poser les poids, on pose, mais on va au moins à 10 répétitions. On valide ça parce que c'est important. C'est parti. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6. 7, allez, 8, 9, 10, ok. Oh. Ça va être dur, je le sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Je souffle un peu, tu vois. Parce que là, ça va être dur. Je vais mettre mon buste légèrement en avant pour avoir un meilleur contrôle du mouvement parce que je peux pas rester droit avec une charge lourde comme ça. Mes bras ne seront pas tendus au max, mais c'est pas grave. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais d'avance que mon mouvement n'est pas propre. Tu vois, je le sais. Je le sais, je le reconnais, je le dis. Parce que c'était lourd. Ça faisait mal. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Et là, on peut passer à l'exercice 2 tranquillement. Deuxième exercice, on va se faire un bicep intéressant. On va se faire élévation frontale avec haltères. J'ai pris les 14 kilos pour ça. On va se faire du shrug avec les 20 kilos aux haltères. Donc, élévation frontale et shrug. De base, je voulais pas faire les trapèzes, mais je voulais pas ranger les poids devant. Je voulais pas les ranger et je me suis dit, bon, ça a l'air super de faire des shrugs. Je vais faire des shrugs, je vais faire ça bien et on va envoyer. On va se faire 10 et 10-10 peut-être. Parce qu'il y aura un tempo pour les shrugs. Je sais pas encore si je vais faire un tempo pour les évasions frontales. Mais j'ai peur que si je fais
un tempo de version frontale plus un tempo dans les shrugs, ça va me fumer. Ça va vraiment me fumer et vider mon énergie, tu vois. Donc, pas de tempo pour la première série et on verra pour la suite. En tout cas, on va faire ça bien. Une version frontale, 14 kilos. Je sais que ça va me faire mal. Je le sais. On y va. Une. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Dix. Franchement, impossible de foutre un tempo dessus. Ce que je voulais faire en tempo, c'est monter bloqué 2 secondes. Monter bloqué 2 secondes, une. Pas possible, trop lourd. C'est trop lourd. Bon, on finit, shrug. Comme j'ai dit, hein, épaule en arrière. On monte, une, deux. Une, deux, deux, jusqu'à 10. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Ça fait mal. Je reste avec ces poids-là. Il n'y a pas de on monte, on baisse. C'est la charge de travail parfaite. Vraiment, la charge de travail parfaite. D'ailleurs, là, c'est là où je rentre dans mon élément en termes de séance parce que j'ai hyper soif, tu vois. Dès que je mets lourd, dès que je me fais vraiment mal, hein, vraiment pour de vrai, hein, j'ai hyper soif. Et là, j'ai envie de finir ma bouteille, là, enfin, ma gourde, la remplir et encore la finir. Mais je me contiens, tu vois. Je me contiens parce qu'il ne faut pas que je sois ballonné, il faut que je fasse une bonne séance. Il faut que je sois bien plein. Et c'est important, c'est important. Sinon, j'avancerai pas. Je me repose. Et je repars. Et on fait ça bien. Une. Allez. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7, comment? 8, 9, 10. Allez, trapèze. Pour en arrière, c'est important. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2. 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, comment? 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. C'est incroyable. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Je fais 3 séries. Là, on est à 2. On est bien. Continue. On se pose. Et après, on renvoie. Parce que c'est important. Là, c'est incroyable. Ça va faire 2 mois. Je suis pas allé au foot américain. Parce que je finis que à 20h. J'ai que des horaires de fou. Et c'est très compliqué pour s'organiser, tu vois. Je peux même pas aller à l'entraînement. Et parfois, ben, je vais au taf. Je suis né à 20h, à 21h. J'ai futsal avec les collègues, tu vois. Et honnêtement, je m'amuse beaucoup mieux avec mes collègues de taf au futsal que à l'entraînement de foot US. Du moins, ça me fatigue beaucoup plus. Je ressens vraiment la fatigue que je voulais avoir. Tu vois, la fatigue, quand tu vas en entraînement, tu rentres, t'es rincé, t'as envie de rien faire, tu vois. Bah ça, je le ressens avec le foot en salle.
Mais les entraînements de foot américain, si tu veux, c'est des entraînements agréables. C'est comme si que j'allais à la salle et je fais une séance nulle, tu vois. Bah, c'est pareil. Quand je joue au foot US, je suis pas fatigué, je rentre, je suis content, je suis voilà, tu vois. Mais je suis pas vraiment KO physiquement. Or que quand je fais du foot en salle, 1 heure, c'est fini. C'est mort. Faut me voir en plus au soccer. Je cours, je suis bien, mais après je suis allongé en étoile par terre. Et je demande à Lucas parce que je suis fatigué. Tu vois, c'est dur, mais ça c'est bien. Mais quand je revenir entièrement au foot US, normalement mon cardio s'est amélioré normalement. Et j'ai hâte. J'ai hâte parce que je cours beaucoup au soccer. Je reprends confiance avec ma vitesse, avec mon corps et ma forme. Et je deviens meilleur de jour en jour, de semaine en semaine, et je suis content. Vraiment, je suis content. Là, il me reste une dernière. On va faire les choses bien. On va envoyer. Je te cache pas, ça fait mal. Hein. Ça fait mal bosser en unilatéral, élévation frontale, charge lourde. C'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Il me semble que mon maximum, bah, c'est ça. Hein. C'est 14, 18 kilos. Élévation frontale, jamais mis 20 kilos, je crois. Mais c'est dur. Hein. C'est super dur. J'ai pas envie de tester 20 kilos, mais c'est dur. C'est dur. D'ailleurs, là, en plus, à 14 kilos, mon mouvement, je crois que ça se voit à la caméra, il est dégradé déjà. Il est dégradé parce que c'est un peu trop lourd, légèrement trop lourd. Mais moi, j'ai envie. J'ai envie parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est avoir mal. Et faire ça bien. Hein. Faire ça bien. Allez, c'est parti. Allez, dernière. Allez. 6. 7. Allez. 8. 9. 10. Ok, très bien. Allez. On valide. On valide. On y va. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, comment? 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Ok, parfait. Parfait. On a validé ça. Sûrement faire du développé militaire. Juste derrière, en troisième exercice de ce programme. Dernière série d'exercices pour les épaules, on va sur du développé militaire. Je vais garder les 20 kilos, faire une série assez contrôlée, 10 répétitions. Et juste après, on va se le faire en superset élévation latérale avec les 8 kilos, mais très concentré. Ok? Donc, 20 kilos. Dernière série d'exercices épaules, on va se faire un biceps incroyable. On va faire du développé militaire avec les 20 kilos en série contrôlée avec élévation latérale 8 kilos en série contrôlée aussi. Donc là, ça va faire mal nerveusement, musculairement, ça va faire mal. Mais ça va être un biceps vraiment intelligent. Parce qu'on a mis lourd au début, là on est plutôt sur des charges moyennes, mais mouvements propres. On va se faire 10-10 pour la première, on va voir comment je me comporte avec ça. Mais je pense qu'on va baisser peut-être. On y va. Normalement, ça va, c'est léger ça. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wow. Ok. Franchement, c'est léger, ça fait mal. On y va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8, 9, 10. J'ai envie de rajouter en plus élévation latérale en supination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comment ? 7, 8, 9, 10. Franchement, la chance, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est vraiment bien. Et bosser intelligemment, bosser avec du contrôle, ça fait mal, mais ça t'offre une qualité musculaire vraiment incroyable. Vraiment. C'est ça qu'il faut faire, plein de choses en musculation. Il faut à la fois faire du lourd, à la fois mettre des charges, casser ses fibres musculaires, mais aussi bosser intelligemment. Tu vois, faut tout faire. Il faut le faire intelligemment, il faut bien l'organiser. C'est pour ça que je vais t'accompagner. C'est pour ça que je fais des suivis aussi. Si tu veux avoir ton summer body, ton body goal, envoie un message. On en parle, on en discute. Tout est dit dans la vidéo où le titre c'est « Je te coach ». Et puis voilà, on avance parce que c'est important. Là, je me pose un peu et je vais repartir pour la deuxième. Même charge, là, pas besoin de monter, rien besoin de faire. Je pensais que j'allais pas tenir pour les 8 en élévation latérale, plus élévation latérale en supination. Mais ça va, ça a l'air d'aller, ça fait un peu mal. Mais c'est suffisant pour que je laisse les charges, tu vois. Donc, on reste comme ça, ça bouge pas. Ouais, comment ? Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En vrai, j'aurais pu prendre un peu plus lourd. Parce que contrôler sa voix. Mais comme après on a deux exercices derrière, c'est chaud. On y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, ouais, 6, 7, 8, 9, ouais, 10. Supination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. C'est dur. Je sens que c'est dur. C'est mal. Mais c'est de la bonne douleur. Oh. Il me reste une dernière. Après, on va massacrer les biceps un peu là. Mais j'ai pas à attendre parce que les biceps, comme je t'ai dit, hein, c'est chiant en train. Ça fait mal pour rien. Mais on va le faire. Dernière. Allez. C'est parti. Ça sent bien. C'est rien. C'est la dernière. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9,
Ok, 10. Essaye de bien descendre angle droit. Avoir que de la tension sur les épaules. Allez, contrôlez. Une, deux, trois. En fait, faut bien serrer les haltères. C'est la clé. Quatre, cinq, six, sept. Comment? Huit, c'est rien. Dix, ok. Supination, c'est parti. Une, trois, quatre, cinq, six, comment? Sept, allez. Huit, neuf, dix. Ok, très bien. Eh bien, je suis KO. Je suis en KO. Oh. Ça va être dur d'assumer deux exercices biceps derrière. On va le faire. On va le faire. On va faire ça bien. Allez, je vais faire un truc pour les biceps là. Mais c'est hyper lourd ce que j'ai pris. Et j'ai pris 15 kilos, les haltères octogones. De base, je voulais faire 10 demi-reps et 10 reps complètes. Mais 15, c'est lourd. Je vais essayer. Je vais essayer. Si j'arrive, c'est bien. Si j'arrive pas, je vais baisser. Sinon, faut que je m'énerve. Et si je m'énerve, c'est que je vais réussir. Mais c'est dur, hein. C'est dur. On va essayer. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq. Faut en faire dix, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8, 9, 1, 10. Oh. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est incroyable. Wow. 3 séries comme ça. Tu vois, hormis du facteur génétique, la plupart des gens qui n'arrivent pas à travailler leurs biceps, c'est vraiment qu'ils sont pas mieux de se faire mal. Vraiment. Ils ont pas envie de se faire mal. Moi, quand je bossais en muscu, si tu veux, je bossais pour souffler, pour m'évader un peu. Et les biceps, pour moi, c'était le meilleur moyen de bien m'évader parce que ça faisait mal, tu vois. Et je voulais avoir mal. Parce que c'est bizarre, mais quand tu veux souffler, penser à rien, te défouler, il n'y a rien de mieux que d'avoir mal, clairement. Et les biceps, pour moi, bah, ça m'aidait à m'évader, ça m'aidait à souffler, ça m'aidait à être ailleurs. Si tu veux, c'est ça que je les bossais. Je me faisais mal, je kiffais avoir mal. Et mes biceps ont pu s'adapter avec, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que je les ai fait endurer. C'est pour ça aussi en partie que ça s'est transformé en point fort et que je suis bien. Tu vois, franchement, je suis bien. Mais aussi, c'est peut-être pour ça que peut-être toi, tu as du mal à développer. C'est que peut-être que tu n'aimes pas avoir mal, peut-être que tu te fais pas assez mal, peut-être que tu vas pas chercher la vraie douleur qu'il y a derrière tes biceps. Peut-être qu'à la première douleur, ben, tu te reposes, mais faut continuer. Faut continuer, faut pas lâcher, faut vraiment se faire mal. Et il n'y a pas de secret. Hein. Faut se faire mal et travailler, clairement. Deuxième. Fais ça bien. 10-10. C'est parti. Une. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ok. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Oh. Ouais, non, là, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que j'ai mal. J'ai hyper mal. Vraiment. Oh, c'est incroyable. Il reste une dernière. Franchement, hein, je t'invite vraiment, mais vraiment, à faire ça. À faire ça. À faire 10 demi-reps, 10 reps complètes, avec une charge que tu maîtrises. Franchement, tu me diras, ça fait mal. Et tu restes tout le temps en supination. Ok? Le fait de rester en supination fait que tu as un contrôle constant sur les biceps. Et ça, c'est bien. Ça fait encore plus mal, c'est encore plus dur. Mais c'est ça qu'il faut. Quand je fais les deux, j'ai un léger balancé, tu vois. Parce que c'est dur, ça fait mal. Et mon corps, est, tu vois, il est pas con. Il dit, bon, dames, on va utiliser ton dos un peu parce que là, tu n'arrives pas, c'est compliqué. Donc, je m'aide un peu du dos quand je fais les deux. C'est normal, c'est humain, c'est un réflexe de défense que le corps utilise. Et du coup, ben, c'est normal. Si je bouge un peu, et si tu bouges un peu, et tu vas bouger. Si tu arrives à faire ça vraiment droit du début à la fin, c'est que la charge, vraiment, elle est légère. Si tu n'as pas un tout petit balancé ou que tu sens pas que tu te balances un peu, c'est que vraiment, c'est trop léger. Clairement. Ou alors, tu as un goût et tu n'as rien à faire ici. Vraiment. Là, je pense que ça va être mon dernier exercice du programme. Enfin, ma dernière série du programme là. Parce que le problème, c'est que si je fais un autre exercice biceps, mon corps, il va pas coopérer pour la suite. Je le connais. Parce que vu que les biceps, je les fais beaucoup moins qu'avant, bah quand je les fais, j'ai des crampes vite, des courbatures vite. Et ça m'handicape vraiment. En fait, le biceps, si tu veux, c'est le seul, c'est le seul muscle. Quand je les bosse, après, je suis handicapé pour tout le reste, tu vois. Ça, je vais le faire en dernier. Vraiment. Parfois, les triceps, quand vraiment je les massacre, mais le biceps, c'est une dinguerie. Donc, ouais, ça va être la dernière. De toute façon, aujourd'hui, c'est une petite séance cool. Je voulais quand même te partager une séance intéressante à faire. Et puis voilà. Mais là, faut que tu me la dernière. Faut que tu me reposes bien parce que, franchement, ça arrache. Hein. Je pensais pas que ça l'arrache autant. Honnêtement, je pensais pas. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je fais ça et un autre exercice. Mais non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Si je ferais rien après, si je rentrais à la maison, je t'aurais balancé un autre exo après. Mais là, c'est mort. Je dois rester ici, je dois faire deux trucs. Mais ah, c'est chaud. C'est chaud. Et c'est important, tout ce que j'ai, tous ces programmes-là, là, que je fais ici. Si tu peux t'en inspirer ou si tu peux utiliser peut-être un exercice ou un superset ou un biset que je fais, si tu peux le prendre et le mettre dans ton programme d'entraînement à toi, eh ben fais-le, parce que c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, avant tout, c'est pour ça. C'est pour tous ceux qui déjà cherchent la motivation, trouvent la motivation, et ceux qui n'arrivent pas à s'entraîner, ont du mal à s'entraîner, peuvent voir une vidéo d'un gars qui s'entraîne dur, et tu peux soit refaire la séance à l'identique, soit bah, tu as tes séances, mais tu prends un exo ou deux exos. Tu dis, bon, dame, c'est quoi la dernière fois? Ah oui, il a fait ça, donc je vais essayer. Voilà. Tu l'essayes. Si tu kiffes, ça te donne des sensations, et ben tu le refais dans tes séances. C'est bien, parce que tu vas évoluer avec des exos qui te donnent des sensations. C'est important, c'est comme ça que tu vas prendre du plaisir à t'entraîner. C'est comme ça que tu vas prendre du plaisir à évoluer, et c'est comme ça que ton corps, il va te remercier plus tard, parce que c'est important. Là, je vais faire un petit tour de salle parce que le fait de parler, franchement, ça m'aide pas à récupérer. Et après, on balance la dernière. Parce que c'est important. C'est la dernière. Là, je peux envoyer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, tu vois mon corps se balance, 7, 8, 9, 10, ok, mon corps se balance,
Non, moi, tu le vois, moi, je le sens de fou. Ouais, normalement. Niveau congestion, je suis bien. Je suis pas ma meilleure forme, hein, vu que je me suis bien reposé. J'ai pas mangé de manière clean. Mais là, franchement, je me sens bien. Ça fait du bien de reprendre après 10 jours de non-activité. Vraiment. Bon, hier, j'étais à la salle. Mais mon corps, je le considère encore en reprise. Franchement, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Première vidéo, je pense, où j'ai pas bu d'énergie gel. C'est vraiment incroyable parce que je vais le boire après. Tout simplement. En tout cas, si tu kiffes ce contenu, mets un j'aime et un commentaire, ça m'aide. Franchement, ça m'aide de fou. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. C'est très, très important. Faut qu'on arrive à 30 000, 50 000 à la fin. 30 000, normalement, c'est sûr, mais 50 000, c'est possible. Mais pour ça, j'ai besoin de toi, ok? Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.